Thank you, Lord, for the great sacrifice that you did for us on the cross. And now, as we begin with this series, we ask you, Lord, to be with us, to lead us through the way, to be with us, to teach us your word. Give us your Holy Spirit to understand that word, to understand the sanctuary and what you need from us, to the glory of your name. In the name of Jesus Christ, and we pray. Amen. Jésus, l'agneau, est le souverain sacrificateur. Nous devons dire que Sir White, dans Évangélisé 204, il nous a dit, montrez-nous. OK. Show that on the screen for us, please. Évangélisé 204. Christ lui dit que le fondement de notre foi, c'est qui ça? Réside dans qui ça? Dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère où ça? Est-ce qu'il y a un ministère là-haut dans le ciel maintenant, mesdames et messieurs? Donc, Jésus, il officie actuellement pour nous dans le sanctuaire. Littéralement, Jésus, il est monté au ciel et il officie en notre faveur dans le sanctuaire céleste. Et maintenant, le fondement, la base de notre foi réside dans une compréhension correcte de ce ministère. En sorte que si donc ou pas comprendre sanctuaire là, gon bagay qui manquait à votre foi, gon bagay fait fou foi ou li un peu sous des sables mouvants. Donc nous devons bien comprendre ce sujet de manière que lorsque des problèmes déferleront certainement comme ils viendront, mais nous pouvons tenir fermement parce que notre souverain sacrificateur, il est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire tout de suite que nous avons un souverain sacrificateur. Et lorsque nous parlons de souverain sacrificateur, le titre souverain sacrificateur ou bien grand prêtre est synonyme. Est-ce que vous entendez-moi? Si moi dis grand prêtre, c'est comme si je t'ai dit qui ça? C'est comme si je t'ai dit souverain sacrificateur. Et à partir de là, nous comprenons que dans l'univers, are you with me? Est-ce que nous l'avons avec moi? Dans l'univers, we have only one high priest. Dans l'univers, nous gagnons qui ça? Un seul grand prêtre. Et n'importe monde qui t'a venu pour ta dire que yo c'est grand prêtre, mes frères dit yo anathème. N'importe monde qui t'a venu pour dire yo c'est grand prêtre dit madichon pour moun ça. Est-ce que nous là avec nos frères et sœurs? Lorsqu'on comprend sanctuaire là, mes frères, gain des doctrines nous pas prendre là-dedans yo. C'est que l'important pour que nous capables comprendre ce sujet, le sanctuaire, et nous aurons environ 15 présentations chaque soir, excepté jeudi. Donc, si nous n'avons pas qu'à venir, monde qui est online, you can follow up, you can follow through with us, please. Nous connaissons que mes frères que Dieu est saint, la vraie. Dieu est saint. En Psaume 99, verset 9, qu'est-ce que nous lisons? Il dit exalté l'Éternel notre Dieu. Et qui ça? Et prosternez-vous sur sa montagne, c'est car for the Lord our God is holy. Bon Dieu que nous avons servi à comment y est, lui? Bon Dieu, son Dieu qui est saint. Lui était saint hier, lui saint aujourd'hui et pour l'éternité, l'absent, frères et sœurs. Et c'est ça que fait Angio, il a proclamé la sainteté de Dieu. Dans Esaïe, dans une vision que Esaïe t'a gagné, Esaïe dit que lui voit le Seigneur, qui voit le Seigneur? Assis sur un trône, comment?
très élevé. Et le pan de sa robe remplissait qui ça? Le temple. Lorsque vous parlez de temple, où est là le sang? Le sanctuaire. Moi, capable de dire temple, moi, capable de dire sanctuaire, moi, capable de dire tabernacle. Donc, c'est toujours même bagarre, on parle du sanctuaire. Donc, l'année du roi Ozias, eh bien, Ozias mourit sur la terre. Eh bien, Esaïe pensait que toute bagarre était finie et qu'on s'agit le porter vers le ciel. Et qui ça, Esaïe, ouais? Il voit que Ozias mourit, c'est vrai. Mais cependant, sur le trône de l'univers, règne quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est notre Dieu. Qui ça que lui dit? Lui dit qu'on sait que des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et les séraphins avaient combien d'ailes? 6 ailes. Soulignez le mot comment? 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face. Et qui ça encore? 2 dont il se couvrait qui ça? Les pieds. Et 2 dont il se servait pour voler. Et qui ça séraphin au taf fait? Verset 3, il dit, il faut avec moi. Il criait l'un à l'autre. Qui s'est au dit? On allait. Saint ensemble. Saint encore. Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. On nous dit en anglais, verset 3. And one cried unto another. Qui s'est dit? And said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Les anges, anges sa yo, c'est pas ça que nous habitués sous la terre. Tant que c'est après les ogon ferrail et Julie Danton, c'est pas eux même. C'est pas eux même place yo pas là encore dans le ciel là. Yo t'es dans le ciel, maintenant à cause que ça yo fait, bon Dieu la gué yo à terre. Et yo connaît que yo pas qu'elle dans le ciel encore. Je raconte, on compte ça déjà comment un samedi matin, un groupe adventiste bien bordé pour l'église. Et puis pendant pour l'église, bon corps qui t'a pas son quatre pour un monde, il gont loi dans tête li, et puis il commence à plaindre, il garder, il dit que ça que men, garder, il dit ouais moun sa yo, il dit que ça que ouais moun sa qui a passé là yo, c'est moun sa yo oui qui pral prendre place bagaille que nous quitter dans ciel là. C'est eux qui pral jouir bagaille que nous quitter dans ciel. Alors, quand même qui est adventiste, fait surtout, fait égaré ou, vous prenez n'importe si bagaille ou vous quittez l'église. Donc, mes frères, les anges qui n'ont jamais péché, des gens, anges qui sait et qui sait à prier, ils ont dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, qui ça? Toute la terre est pleine de sa gloire. Et la gloire de Dieu, mes frères, nous est ça partout. Et monsieur Bode, nous avons dit ça, c'est Ancien Testament, c'est pas vrai? Il y a un peu de monde qui dit que ça, c'est même avec le Nouveau Testament que vous servez, il n'y a pas servi à l'Ancien Testament. Maintenant, des paroles là, ça lié là, toi. Bon, Dieu, pas deux paroles, c'est une seule parole, que l'Ancien, que Nouveau, mes frères, c'est une seule parole, car tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et nous avons appris aussi que toute écriture est inspirée de Dieu. Nous ne sommes pas dans les mêmes. Eh bien, on a le Nouveau Testament, mes frères. Jean gon vision. Pendant Jean gon vision, ralé bib non, nous parlons avec moi dans Apocalypse 4 verset 2. Moi pas rien sur écran. Apocalypse 4 verset 2. Qui ça nous lit là dedans? Lis pour moi fort si nous voyons. Depuis nous joindre lis fort pour moi. Nous beaucoup joindre. Moi je dis avant non. Je fus ravi en esprit. Et Jean lui gardait, lui voit qui ça, un trône qui boit trône dans le. Et Jean te voit un trône où ça dans le ciel. Et ça qui passe. Mes frères, trône dans le ciel n'est pas vide. Ce trône est occupé par le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Lui voit quelqu'un assis sur le trône. Et puis Jean garde encore. Non seulement nous avons 24 autres trônes. Belle bagaille, frère, c'est 24 autres trônes. 24 vieilles achitas sous yo. Après ça, gardez encore. Il y a 4 êtres vivants. Maintenant, nous pouvons aller. Nous avons tourné sur l'écran. Il y a 4 êtres vivants. Après 4 verset 8, qui ça dit? Les 4 êtres vivants. Combien ils ont gagné? Ange séraphin, tu as dans Esaïe. Combien ils ont gagné? M'attendez.
Dans Esaïe 6, dans Esaïe, comment est-ce que verset 1, verset 2, c'est pas vrai? Ils avaient chacun 6 ailes. Ici aussi, dans Apocalypse, chapitre 4, verset 8, les 4 êtres vivants avaient chacun combien? 6 ailes. En sorte que, mes frères, nous avons gardé la même scène que Esaïe était ouvert. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis, Dieu, tout autour et au-dedans. Et au-dedans. Ils ne cessent de dire combien? Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Frères et sœurs, comment ça t'appelle pour que tout le temps, ça t'en bouche, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Quand on passe, Saint, 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 ou parfois même, ou pas dire le fort, non, ou pas dire le cœur. Ou à sanctifier le Seigneur dans le cœur. Mes frères, qui grâce, qui puissance qui t'a manifesté dans nous, mes frères et sœurs. En Dieu, il a crié sans cesse. Il a pas jamais bouqué. Il a pas jamais arrêté. Il a pas dit qu'on s'est ah, bah, ça boring. Pas de bagage qui boring dans la sainteté de Dieu, frères et sœurs. Lorsqu'on a chanté la gloire de Dieu, pas de boring là-dedans, mes frères et sœurs. Ils chantaient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, qui ça? Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Mesdames et messieurs, Dieu tellement saint, lui saint dans tout corps. Et ça fait, puisque c'est de terre tellement c'est Dieu même, quel que soit côté, bon Dieu, touché, ça qui passe, Livine Saint. Mes frères, on demande bon Dieu pour le toucher aujourd'hui à nos frères et sœurs. Mes frères et sœurs, côté, bon Dieu, touché, ça qui passe, lui, on allait dans Exode 3, verset 5. Qui ça lui dit? Dieu dit, pendant que Moïse gardait, qu'on s'allie garder un petit du feu en côté, Dieu dit que ça, ah, Moïse dit, bon mal garder, ça qui a boulé. Pendant Moïse a avancé comme ça, qu'on voit qui dit, verset 5, Dieu dit, n'approche pas, ôte tes souliers de terre, car le lieu tu te tiens, sur lequel tu te tiens est une terre. Moïse te dit, mais quelle différence entre là avec le côté terre? Franchement, moi, aller Sinaï, m'aller exactement côté Moïse, t'es dans la bouche, là, côté le tap gardé, dans le buisson Adam. Si je fais une différence, je ne vais pas avoir aucune différence. Mais cependant, bon Dieu dit, c'est ça que lié. La présence de Dieu sanctifie. Et tout ce que Dieu touche, l'ivine comment? Et nous dit encore, nous dit que sa présence sanctifie. Josué 5, verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de terre. Pendant Josué t'a pas livré bataille comme ça, oui, à Jéricho, Josué gardait les bons gonnec. Mais on t'a nèg là, et puis Zamni n'a mené. Et puis Josué a dit, mais Josué, t'es prêt quand même, frère. Alors, moi-même, quand j'ai un gardé avec gros âme sur lui, t'as marché sous lui. Josué marchait sous nèg là, mais Josué dit, qui est souillé? Est-ce qu'on est avec nous ou bien est-ce qu'on est pas pour nous? Et maintenant, verset 15, qu'il a dit, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, regardez, my friend, remove your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. Et alors, qu'on y a Josué obligé, obéir. Mes frères, le mot saint en hébreu, c'est kadosh. C'est kadosh, le livre dit consacré, sanctifié, préparé, dédié et être sanctifié, être saint, être séparé. Et tout à l'heure, nous parlons comment mon Dieu lui-même lui déclare nous saints. Dans quel sens lui déclare nous saints? Le mot kadosh, le livre dit consacré. On va dire consacré à mon Dieu, son mari qui saint, sanctifié, préparé et dédié. Yon bagay qui dédié à l'Éternel, sou bagay qui saint. Et le mot grec qui correspond à lui-même, c'est le mot agiazo. Agiazo signifie dire que rendre ou reconnaître, être vénérable ou sanctifié. Séparer des choses profanes,
consacré à Dieu, épuré, nettoyé l'extérieur, épuré par l'expiation, libéré de la culpabilité du péché. Et ainsi, pour pluriel là, le mot kadosh, c'est kadesh, akodashim. Et pour grec là, c'est agia agion. Nous disons ça parce que dans hébreu, dans hébreu 9, je crois, il y a un verset qui mal traduit. Dans ce second, ce n'est pas agia agion qui est employé, ce n'est pas saint des saints qui est employé. Eh bien, c'est plutôt ta agia, ou bien le saint, ou bien le sanctuaire. En fait, ta agia, c'est pour le sanctuaire. Maintenant, avançons. Réaction de l'homme lorsque on mon. Bon Dieu tellement saint. Maintenant, lorsque l'homme rencontre bon Dieu, qui s'est passé, frères et sœurs? Nous songeons dans le jardin d'Éden, tu vois vrai? Dans le jardin d'Éden, bon Dieu dit à Adam, pas manger, c'est pas vrai? Et puis ça, Adam avec Ève, il mange. Mais il faut me dire, c'est Ève qui dit, bah, là-bas, vous comprenez? On a dit ça, Bon, on va aller dans le contact avec Pédamio, on a dit ça. Donc, maintenant, Adam et Ève, c'est vrai, ils viennent désobéir, c'est pas vrai? Lorsque ils désobéissent, ils ont péché, c'est pas vrai? Lorsque ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes capable de parler avec mon Dieu? J'ai entendu qu'on parlait avant. Mes amis, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, Où es-tu? Where are you? Mon Dieu a cherché l'homme. Vous comprenez? Mon Dieu a cherché l'homme. Et comme le chant dit, comme un phare sur la plage, cherche l'homme et le. Ainsi, l'amour de Dieu. Ah bon, bah, nous sommes échants. Ok, n'allez. Maintenant, mon Dieu a dit à Adam, où es-tu? Et I have the feeling that the Lord is saying to somebody here, where are you? Sometimes we are here in the sanctuary, but you are not here physically. Physically we are here, but mentally we are maybe at work, maybe somewhere else, maybe at school. We are thinking about something else. While we are here, we should be worshiping the Lord, even in spirit and truth. But yet we are thinking at so many things, so many problems that we had during the week. Mais nous tellement pensé à problème que nous avons eu dans la semaine, notre côté, nous pas là vraiment. Bon Dieu a demandé, qui boit où? Qui boit où? Where are thou? Where are you? Maintenant, bon Dieu dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu. Parce que je suis. Et je me suis caché. Nous songeons à la Odyssée. Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi et des vêtements. Afin que la honte de ta nudité. Mes frères, lorsque nos péchés, nos vignes comment? Tout au nu. Nu, c'est français. Mais après, lorsque nos péchés, nos vignes comment? Tout au nu. Et soit vivre dans le péché, c'est qu'on soit marché sans rate dans la rue. Diable, il est où? Il est tout au nu. Bon Dieu, il est où? Il est tout au nu. Et ça fait, lorsque Adam entendait bon Dieu qui a parlé, Adam crasé rac. Il courait le cacher. Mais avant, est-ce qu'il était qu'on a caché? Il était pas qu'on a caché. C'est ça qui passait, mes frères et sœurs, lorsque nous péchions. Lorsque nous péchions, mes frères, eh bien, nous ne sommes pas capables d'être encore dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et nous-mêmes, nous sommes des pécheurs. Donc, lorsqu'on prend saint avec péché, ou mettez tout l'air de ça qui a passé. Eh bien, péché a brûlé, a disparu. Et ça fait que si mon Dieu t'a dû paraître, Jean que l'il y a dans cette salle-là, je ne sais pas combien de monde qui t'a prêté, frère, c'est sûr. On a quitté ça là, mes frères. Nous ne pouvons pas entrer là. Eh bien, Jean, lorsque Jean a une vision de Jésus, mes frères, Jean a une vision de Jésus. Et à Patmos, pendant que Jean à Patmos, il pensait que c'est toi qui t'a fait. Il pensait que c'est punition, punir ta punine. Je pense que c'est maltraité. Et bien pendant là, c'est là, bon Dieu, bénit Jean, mes frères et sœurs. Bon Dieu, changez malheur en bonheur. Et là, bon Dieu, bah, Jean, pigou, vision que Jean était capable de gagner. Jean gardait lui voit Jésus. Lui voit Jésus, lui dit, il avait dans sa main droite combien? 7 étoiles. Et puis ça qui passait encore, ça Jean dit. De sa bouche sortait qui ça? Une épée aiguë. Qui ça qui est épée aiguë là? La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est pas vrai? Une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme qui ça? Comme le? C'est sur l'écran, c'est sur l'écran. Lorsqu'il brille dans sa force. Maintenant, qui ça, Jean dit? Verset 17. Jean dit, quand je le vis,
Je tombais à ses pieds comme mort. Mes frères et mes soeurs, Jean, le disciple bien-aimé, c'est pas vrai, mes frères et soeurs? C'est lui qui t'a écrit, dit que je vous écris afin que vous ne péchiez moins. Bon, on est comme ça, mes frères, lui ouais Jésus, lui tombé comme mort, et nous-mêmes. Si nous avons Jésus, qu'on y a après, Jean ouais Jésus, ça qui passe, Jean. Lui tombé comme mort. Bon, nous-mêmes, qu'on y a après Jésus, ça qui passe, nous, la frère. Bon, nous finis, oui, frère. Nous finis, oui. Mais Jésus qui grâce, frère et soeur, Jésus posa sa main droite sur lui et en disant, ne crains. Jésus dit, Jean, calé non, ou pas besoin de peur. C'est ça qui est bon lorsque Jésus ses amis, mon frère et soeur. Ou pas besoin de peur. Mais surtout, nous sommes dans Esaïe, t'as l'air, qui était, ouais, le Seigneur assis sur le trône très élevé. Qui ça que t'es passé, Esaïe? Lorsque Esaïe finit, ouais, le Seigneur assis sur son trône, Esaïe relève en moi. Alors je dis, malheur à. Je suis un homme. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont un. Et. J'ai mis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont un. Et mes yeux ont vu le. L'éternel des armées. Mes frères, chaque monde qui ouait mon Dieu. Prophète Esaïe, Jean, Adam, eh bien, il y aurait les en moi. Pour qui ça? Eh bien, parce que la Bible nous dit que l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et ou pas capable. Ouais, mon Dieu, et puis pour ça qui passe, c'est pour mon Dieu, ça qui passe. Ou ap mourir, c'est pas ça? Lorsqu'on est mon Dieu, ou ap mourir. On garde pour nous. Juge 13, 20 à 22, excusez-nous. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre eux. Et qui ça a dit? L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Verset 22. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. N'a pas mouru parce que nous, ouais, bon Dieu. Mais c'est pour qui ça ne pas capable de mon Dieu et vivre? Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que non? Et puis, bon Dieu lit? Parce que mon Dieu lit saint. Mais, on croit un chant qui dit que ça que nous verrons, bon Dieu. Un verset qui dit que nous le verrons face à face. Qui j'en ça fait, frères et sœurs? Hein? Comment ça fait? Hein? Hébreux 12, verset 14, mettez verset ça pour nous. Il dit que recherchez, qui ça? La paix avec. Et qui ça? Et la sanctification sans laquelle. Ça veut dire que si donc nous recherchons la sanctification, qui ça va passer? Nous attendons, ça va passer, frères et sœurs. Nous verrons le Seigneur parce qu'il est saint et nous serons saints parce que nous serons comme il est. Donc c'est Jean qui dit ça. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous allons verser, non? Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que, aidez-nous mes frères et sœurs, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Et quand l'autre verset, même Paul dit comme ça que nous attendons notre Seigneur qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, frères et sœurs, pour que nous, ouais, mon Dieu, faut que nous, comment? Saint. Pour qui ça? Parce que, mon Dieu, saint. Est-ce que nous l'avons avec nous? Et ange ne t'a prié sans cesse, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ça? Est pleine de sa gloire. Lévitique 20, verset 26. Qui ça lui dit? Mon Dieu dit comme ça que, c'est mon Dieu qui a parlé, mes frères et sœurs. Vous serez comment? C'est pour moi car moi l'Éternel. Et qui ça dit? Je vous ai
séparer des peuples afin que vous soyez à moi. Ça fait que mes frères, nous avons pu être deux mon côté, mais une différence. Il y a quelques temps de cela, j'ai lu dans les nouvelles un témoignage côté que il y a trois mesdames qui ont marché en côté. Et puis, pendant qu'ils ont marché comme ça, il y a un ado qui est adventiste. Et puis, il y a un vagabond qui vient. Il prend deux mesdames, je parle ici aux États-Unis, il prend mesdames, il prend deux lotes. Et puis, lui-même, adventiste, il n'a pas touché. Et puis, Kounia, nous connaissons, il fait capa au soleil. Nous ne connaissons pas les créoles, pas vrai? Parce que je ne pas dire cas de Jacques, c'est pas Jacques qui te fait le monde. Donc, il fait capa au soleil. OK? Et puis, voilà que il vient arrêter monsieur. Et puis, mais adventiste, lui-même, qui est un curieux, il dit ça que, il t'a même posé une question. Et puis, comme ça, lorsque il vient, ouais, monsieur, il vient, monsieur, et puis il dit, excusez-moi, let me ask them one question, please. Et puis, il dit, monsieur, il t'a même connu, pour qui ça? C'est deux autres mesdames que nous prenons, c'est pas moi-même, parce que nous trois sommes ensemble. Négo dit, c'est vrai, au contraire, au plus belle, au plus en forme, passer l'autre. Mais cependant, lorsque nous regardons derrière nous, il y a un gros nègre qui était campé derrière. Et par conséquent, nous voyons que Jean-Monsieur a gardé nous, nous voyons que nous ne sommes pas capables d'approcher, par conséquent, nous prenons l'autre, mais nous ne sommes pas capables de mettre sur vous, frères et sœurs. C'est ça que, même si que nous ensemble, c'est vrai, mais moi-même, quand je servis mon Dieu, nous avons une différence, frères et sœurs. Parce que je dis que vous serez saints pour moi, car je suis. Est-ce que mon Dieu est saint, frères et sœurs? Est-ce que mon Dieu est saint, je dis? Et par conséquent, et nous-mêmes, si ça nous doit. Parce que je dis, vous serez saints pour moi, car je suis. You are to be holy to me, because I, the Lord, am holy. I thought about saying it in English so that our youth won't say that they didn't understand what we are saying, what we are reading, because we are to be holy. Please, youth, please, can you read it again for me, please? Verse 26, Leviticus 20, verse 26. Help me out, please. You are to be, I can hear you, louder, please. And I have set you apart from the nation to be my own. Nous appartenons à qui est-ce? À Dieu. We are not ours. We are the Lord's. Right? We don't belong to ourselves. We belong to Jesus. We belong to the Lord. And the Lord is holy. So he asks us that we are to be holy. Whether you are at school, in the church, on the street, we are to be holy. Mais frère, on a progressé pour nous capables de terminer, frères et sœurs. Nous allons progresser. Casse là qu'on a terminé. Nous allons terminer. C'est ça que fait. Côté bon Dieu, rien, lui doit comment? Saint. Et puisque bon Dieu lui-même, lui désire habiter avec nous, qui ça bon Dieu dit pour nous faire? Il dit que ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Right? À plusieurs reprises, moi développé en idée ça que bon Dieu pas sent-il à l'aise tout autant que il pas avec nous. On va comprendre ça me dire. Bon moi prendre pour nous. Bon Dieu tellement remet nous lorsque nous pas là, bon Dieu gon sorte de Blaise, lorsque vous parlez Sony, comment ça tout? Vous m'avez perdu tête, vous comprenez? Donc c'est comme si tu as dit que bon Dieu t'a perdu tête lorsqu'il parle avec lui. Non là? Quand les messieurs qui m'ont eu ici de là, hein? Lorsque madame n'est pas là, nous avons une nostalgie. Hein? Alors c'est nostalgie, l'on parle à Rosemite. Non, t'en es frère, il faut me poser ça. Frère, il faut dire que nostalgie lorsqu'il parle à Rosemite. Ok? Donc, mes frères, bon Dieu tellement. De loin l'Éternel se montre à moi, je qui ça? Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et puisque Dieu nous aime tant, lorsque nous pas avec bon Dieu pas senti à l'aise, entre guillemets.
En fait, ça, son terme théologien, relé anthropomorphisme. En façon pour nous comprendre une réalité éternelle, nous utiliser un langage humain pour nous comprendre une réalité divine, ok? Une réalité spirituelle. Donc, bon Dieu lui-même, tout le temps, il n'est pas avec nous. Tout le temps, il n'est pas avec l'homme, il n'est pas senti à l'aise. Il est allé tout le temps pour nous avec lui. Et nous, on est ça dans le jardin d'Éden. Lorsque le parle Adam, qui ça dit Adam? Où es-tu? Où es-tu? Et maintenant, pour les Israélites, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Parce qu'elle t'a mis avec nous tout le temps. Et non seulement ça, pas content de ça encore. Eh bien, lorsque Jésus vient sur la terre, il dit que ça qu'il pas prêté loin encore. Il dit, il a venu habiter avec nous. Et je serai comme Emmanuel, qui veut dire qui ça encore? Dieu avec nous. Et maintenant, Jésus mourit, il monte dans le ciel, il dit non, je ne suis pas prêté loin encore, je parle plus près encore. Ça dit, et bien dans Jean 15, il dit comme ça que si on moun remène, moun a gardé parole là. Et puis lui-même avec papa lui, l'a vini dans moun ça. Et il a fait demeure yo en dans moun ça. Maintenant, Christ il vient plus proche de nous. Et non seulement ça, avant de dire que ça que. Dis-vous que je ne vous laisse pas orphelin. Dis-vous là pour aller la voir qui ça? On l'autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dis-vous que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais vous le voyez car il sera avec vous et il sera en vous. Bon Dieu, pas content d'être seulement pour être loin. Bon Dieu, l'ini, habitez avec nous. Livrez d'abord vivre au milieu de nous. Ensuite, il vient habiter avec nous. Ensuite, il vient habiter en dans nous. C'est dans ce sens-là qu'il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ce temple-là, c'est seul Dieu qui doit habiter là-dedans, frères et sœurs. Les anges de Dieu, ils ont venu, ils ont accompagné. Ils ont prêté autour, mais ils ne peuvent jamais entrer dans votre cœur. Diable, lui-même, qui besoin même gens avec mon Dieu, eh bien, lorsque le vini, lui-même, ça le fait, lui, entrer en dedans. Mais en dedans, c'est le trône de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? En nous, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Fils et nous avons le Père. Et ça fait que l'ange de l'Éternel n'habite pas en nous, mais dit l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Mais en dedans de nous, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est là, mes frères, le sanctuaire. Et ça fait que, mes frères, nous terminons là aujourd'hui. Alors que nous étudions le sanctuaire, nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu de faire de nous un sanctuaire. Donc, le sanctuaire que devaient construire les Israélites, ils devaient le faire d'après un modèle. D'après un modèle. Et puisque vous trouvez d'après un modèle, réalité a qui bolie? Là-haut, réalité a, li dans le ciel là. Il dit, regarde, ben moi, le verset avant pour nous, Exode 25, verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Réalité a qui bolie? Dans le ciel là. Et ça fait, il dit comme ça que, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, ça, c'est un sketch que M. Jonathan, on prend ça, on prend, technicien ça. Donc, son sketch, alors c'est pas Jonathan, non, qui fait le nom, son sketch que lié du sanctuaire. Eh bien, sanctuaire, ça a lié plusieurs parties là-dedans. Et à partir de demain soir, si Dieu veut, nous allons commencer à étudier le sanctuaire. Nous n'allons pas entrer dans le sanctuaire, nous allons commencer à étudier le sanctuaire à partir de demain soir, si Dieu veut. Ok? Donc, ça fait que pendant Hébreux 8, verset 1 et 2, Nouveau Testament, il dit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux.
comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par qui est-ce? Par le Seigneur et non par un? Par un homme. Le vrai tabernacle se trouve dans le ciel. And we have a high priest up there in heaven. Ça fait, je dis, nous n'avons pas gagné grand prêtre sur la terre. Notre grand prêtre est où ça? Est dans le? Et dans le ciel. Et dans le ciel. Donc, mes frères, sœur White dit non. Le peuple de Dieu doit avoir maintenant les yeux fixés sur le sanctuaire céleste. Où notre grand prêtre accomplit l'œuvre finale de son ministère du jugement. Et où il intercède pour son peuple. Notre grand prêtre, c'est qui encore? C'est Jésus. C'est pas l'autre monde, c'est pas une femme. Nous là avec moi? Notre grand prêtre n'est pas une femme, mes frères. Notre grand prêtre n'est pas n'importe qui sur la terre. N'est personne sur la terre. Notre grand prêtre n'est pas au Vatican. Notre grand prêtre est là-haut dans le ciel. C'est Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Par conséquent, nous allons chanter, mes frères. Nous allons chanter. Terminons là. Lord, prepare me to be a sanctuary. Pure and holy, tried and true. While we're studying the sanctuary, let's ask the Lord to make us His sanctuary, that He may inhabit in our hearts, so that we can live a holy life to the glory of His name. Lord, prepare me to be a sanctuary. Pure and